Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du livre et en particulier la période de l'Antiquité. Voici l'ouvrage que j'ai sélectionné qui raconte l'histoire. C'est une demi-reliure puisque seul le dos est couvert de cuir et les coins aussi. Regardez, l'intérieur est couvert d'un joli papier marbré. Je l'ai trouvé dans cette vieille bibliothèque. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y avait écrit dans le coin ici, c'est elle. Ils sont mes initiales. Amusant, non ? À croire qu'il m'attendait pour que je vous en fasse la lecture. Il est relativement récent puisqu'il date de 1933. Il nous est précisé, histoire du livre de l'Antiquité à nos jours. Aujourd'hui, je vais me contenter de l'Antiquité. C'est un ouvrage illustré de 146 figures dans le texte et hors texte et orné de 8 bandeaux et de 6 cul-de-lampe. J'expliquerai une autre fois en détail ce que sont les bandeaux et les culs de lampe. Voilà, sans plus attendre, je vais commencer cette lecture. Les ancêtres du livre, le rouleau de papyrus égyptien. Si l'on veut remonter dans un domaine quelconque de l'histoire de la civilisation, jusqu'aux témoignages les plus anciens, il est rare, comme on le sait, que l'on s'adresse en vain aux anciens égyptiens. Nous trouvons déjà chez eux de nombreuses conquêtes de la civilisation, sous une forme très développée. Et cela est surtout vrai pour la floraison littéraire qui a dû s'épanouir, en jugée par les fouilles, dans l'empire des pharaons. Dans le delta du Nil, dans les eaux stagnantes et marécageuses du fleuve, croissait, dans l'Antiquité, en grande abondance, une plante que les Grecs appelaient papyros, nom dont on ignore la signification. Elle appartient au genre souché et est devenue assez rare de nos jours. Les Égyptiens la faisaient servir à divers usages, mais ce qui nous intéresse uniquement ici, c'est l'emploi qu'ils faisaient de cette tige. Celle-ci est triangulaire et peut atteindre plusieurs mètres de hauteur. On découpait la moelle en bandes très fines que l'on comprimait et disposait en rangées l'une à côté de l'autre. On plaçait par-dessus une nouvelle rangée de bandes à angle droit et l'on réunissait les deux couches en un seul tout en les martelant. La colle que renferme naturellement la moelle semble avoir suffi pour rendre adhérentes les deux couches. Peut-être employait-on aussi des colles spéciales. Quoi qu'il en soit, l'assemblage s'est montré si résistant qu'aujourd'hui encore, la plupart des feuilles de papyrus peuvent témoigner
de la valeur d'un procédé qui a maintenu les deux couches indissolublement liées au cours des nombreux siècles de leur existence. Après avoir ainsi réuni les bandes en feuilles, on en collait probablement celles-ci pour que l'écriture ne pût pas s'étaler. On la séchait ensuite au soleil et on la polissait pour en rendre la surface brillante. La feuille, une fois terminée, était, pour peu qu'elle fût de bonne qualité, très souple et flexible. Cette souplesse, elle aussi, s'est en général remarquablement bien maintenue. Les diverses feuilles étaient collées ensemble de gauche à droite, en longs morceaux. La fabrication du papyrus semble avoir été industrialisée de bonne heure, et on le vendait, comme le papier de nos jours, en lots assez considérables, en balles de feuilles dans lesquelles on découpait la quantité dont on avait besoin. En général, on utilisait des morceaux de 15 à 17 cm de hauteur. Cependant, on connaît, datant de périodes plus récentes, des formats allant jusqu'au triple. Les meilleures qualités étaient de nuances claires, jaunâtres ou presque blanches. Quant aux qualités inférieures, elles étaient plus ou moins brunâtres. Dans le troisième millénaire avant Jésus-Christ, la fabrication du papyrus avait pris son plein essor et elle atteignit bientôt une perfection qui n'a d'ailleurs pas été dépassée plus tard. Il y a probablement des différences de détails aux diverses époques et selon les divers procédés de fabrication. Mais on ne sait rien de certain à cet égard. Au surplus, il y a bien des points obscurs en ce qui concerne la fabrication. Et la description que l'on fait ordinairement aujourd'hui n'est pas puisée aux sources égyptiennes, mais date de l'écrivain romain Pline l'Ancien, complétée par les recherches entreprises par divers égyptologues modernes. Le livre égyptien. Un fait qui vaut pour tous les papyrus, qu'ils soient de qualité hiératique, datant des temps les plus anciens, ou qu'il soit d'une qualité inférieure et de fabrication plus récente, c'est la différence existant entre les deux côtés de la feuille. Il en devait être naturellement ainsi en raison de la superposition des deux couches à angle droit. On appelle le côté où les bandes sont disposées horizontalement recto. Et c'est de ce côté que l'on écrivait en règle générale, tandis que l'on utilisait plus rarement le côté à bande verticale, le verso. Une matière aussi souple que le papyrus se prêtait admirablement à l'enroulement. Et quand le papyrus était en rouleau, le recto se trouvait à l'intérieur, tandis que le verso, qui ne portait pas d'écriture, formait la couverture extérieure. Le livre égyptien avait toujours la forme d'un rouleau. Quand on voulait lire le livre, il fallait le dérouler de manière à faire apparaître peu à peu l'écriture. En général, on ne faisait pas aller les lignes tout le long du rouleau, mais on divisait celui-ci en colonnes à lignes très courtes et l'on partageait ainsi le livre en divisions, comparables à des pages qui devenaient visibles à mesure que l'on déroulait le rouleau. Un papyrus connu, qui se trouve à la bibliothèque de l'université de Leipzig, mesure environ 20 mètres de long et contient 110 pages, entre guillemets. Le texte commençait à l'extérieur, à droite, et les pages se suivaient donc de droite à gauche. Enfin, pour vous, de droite à gauche. L'écriture employée était, à l'exception de certains livres sacrés, non pas l'écriture hiéroglyphique, primitive avec ses nombreuses figures, telle qu'on la connaît par ses inscriptions, mais une forme d'écriture plus rapide et plus facile qui s'était développée déjà de bonne heure par l'utilisation du papyrus. Comme la qualité supérieure du papyrus, on l'appelle hiératique, écriture sacerdotale, on connaît, datant d'une période ultérieure,
d'une autre forme d'écriture, d'une simplification encore plus grande, et que l'on appelle écriture démotique, populaire si vous voulez. Le rouleau du papyrus, le plus ancien que l'on connaisse, date d'environ 2400 ans avant Jésus-Christ. Mais il est prouvé que le papyrus a été utilisé pour l'écriture dès la période hiéroglyphique, par le fait qu'un des hiéroglyphes représente un rouleau de papyrus. Le matériel d'écriture. Comme instrument pour écrire, les Égyptiens employaient une tige de roseau taillée en biais, laquelle, tournée de différentes manières, pouvait former des traits gros ou fins. À partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, on commença cependant à lui substituer un roseau taillé en pointe, le kalam, qui permettait une écriture plus fine et qui fut dès lors universellement adoptée. Comme la règle avec laquelle on traçait des lignes, il faisait partie du matériel absolument indispensable à tout scribe. L'encre que l'on utilisait était fabriquée avec du noir de fumée ou du charbon de bois, additionné d'eau et de gomme. Elle était d'une qualité bien supérieure à celle de notre encre moderne, puisque l'écriture a gardé pendant des millénaires son beau noir éclatant. L'encre rouge aussi était en usage, surtout pour les titres et les têtes de chapitres. Le scribe conservait son pinceau et son encre dans la palette, pièce de bois allongée et fine, avec des entailles pour y placer le pinceau et deux creux ou davantage en guide de côté pour l'encre. Pour la conservation des rouleaux de papyrus, on disposait de cruches de bois ou d'argile. Comme la partie extérieure du rouleau était appelée à s'user bien davantage, elle était souvent de qualité plus forte, ou bien on la protégeait à l'aide d'une couverture. De même, on donnait plus de solidité au bord des rouleaux en y collant des bandes. Si les papyrus se sont conservés jusqu'à nos jours, et à vrai dire, en assez grande quantité, ce n'est pas en raison des qualités mêmes de leur substance. D'après les dires des écrivains classiques, nous savons qu'un rouleau, quand il avait atteint quelques centaines d'années, passait pour être d'un âge vénérable. Et dans bien des passages d'auteurs, on se plaint de la fragilité du papyrus et de son peu de durée. Les insectes s'y attaquaient bien souvent et l'on tentait d'y obvier en trempant la feuille de papyrus dans l'huile de cèdre. Mais la plus grande ennemie du papyrus était... Il est naturellement difficile de se faire une idée du nombre de papyrus qui ont été détruits par elle. Tout ce que l'on peut dire, c'est que tous ceux qui se trouvent actuellement dans nos musées et nos bibliothèques ne forment qu'une infime partie de ceux qui ont été jadis recouverts d'écriture. Bien que le monde gréco-romain, comme nous le verrons plus tard, ait utilisé le papyrus presque durant 2 siècles, et dans une proportion bien plus grande que les Égyptiens, on a trouvé dans ces pays que relativement peu de rouleaux. La raison doit être principalement attribuée à l'influence destructive du climat qui y règne, tandis que la température sèche de l'Égypte était propice à la conservation. Enfouis dans le sable de l'Égypte, les rouleaux de papyrus étaient aussi bien protégés que dans un musée, et même mieux, car dans un musée, il faut les garder entre des plaques de verre fermées hermétiquement. Une grande partie des trouvailles fut faite dans les tombeaux égyptiens, qui étaient des places de choix pour la conservation d'une matière aussi périssable. Dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, il fut d'usage de confectionner les cercueils des momies à l'aide de feuilles de papyrus, déchirées et collées ensemble, que l'on recouvrait ensuite d'une couche de plâtre. C'est ainsi que nous sont parvenus un grand nombre de textes écrits
sur papyrus. Les livres des morts. La plupart des papyrus qui nous sont parvenus ont été sauvés grâce à la coutume religieuse qui voulait que l'on déposât dans la tombe du mort divers textes sacrés, des prières, etc. pour le protéger durant sa pérégrination au séjour des morts. Et parmi ceux-ci, le livre des morts a surtout joué un grand rôle. Il nous est connu depuis 1800 avant Jésus-Christ environ. Son texte devint peu à peu tout à fait conventionnel et les prêtres semblent l'avoir fabriqué en série en laissant une place libre pour y inscrire le nom du mort et en avoir fait un commerce analogue à celui qui fut pratiqué bien plus tard par l'Église catholique lors de la vente des indulgences. Le trafic des livres des morts semble avoir été la seule forme de commerce des livres connus dans l'ancienne Égypte. Du moins, on n'en a pas trouvé d'autres vestiges. Les livres des morts sont plus ou moins richement illustrés, et il est à présumer que ces illustrations étaient, en général, d'abord dessinées par un artiste, avant que le scribe y ajoutât le texte. Dans la plupart des cas, les images étaient disposées en frise tout le long du rouleau et au-dessus du texte. Leur valeur artistique diffère beaucoup, mais toutes portent le même cachet stylisé que nous connaissons si bien par les reliefs égyptiens. Quelques livres des morts ont des images en couleur et sont plus ou moins luxueusement présentés. Ils étaient probablement destinés à des morts particulièrement riches ou éminents, tandis que le commun des hommes devait se contenter de produits infiniment plus modestes et plus simples. Le papyrus a été, à en juger par tout ce que nous savons, une marchandise de prix, surtout quand il fut l'objet d'une exportation intensive. Il n'a pas non plus été l'unique matière que les Égyptiens aient utilisée pour l'écriture. Pour des annotations plus brèves, on employait aussi bien des tablettes de bois, recouvertes de stuc, des carreaux de calcaire, des tessons d'argile et enfin le parchemin dont nous aurons encore à parler dans la suite. Les bibliothèques de l'Égypte des pharaons. Des bibliothèques de l'Égypte à l'époque classique, nous ne savons à peu près rien. Ici comme ailleurs, il n'y avait pas de distinction dans ce temps-là entre les collections de livres et les archives. Livres et documents affectaient, en effet, la même forme extérieure et réclamaient les mêmes procédés de conservation. Ici, comme partout dans l'Antiquité, les bibliothèques étaient rattachées aux centres religieux, les temples. Dans le voisinage de Thèbes, on a trouvé deux tombeaux dont les inscriptions mentionnèrent le titre de « bibliothécaire ». Le père et le fils y sont inhumés, et certainement, ils sont appartenus tous les deux au corps savant par excellence qui constituait la classe sacerdotale. Passons maintenant aux livres chinois les plus anciens. À l'époque même où, dans la vallée du Nil, la feuille de papyrus était la matière principale employée pour l'écriture, déterminant ainsi également la forme extérieure du livre égyptien, florissait bien loin de là une autre civilisation parvenue à un degré de développement aussi avancé et se manifestant aussi dans l'art du livre. Déjà, au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, la Chine a fait montre d'activité littéraire, bien qu'on ne puisse guère parler encore de livres. On sait qu'au 2e millénaire, le pays a eu des historiens impériaux et que le grand philosophe Lao Tse, qui vivait environ 500 ans avant Jésus-Christ, était archiviste à la cour de l'empereur. Les livres de bois. Les matériaux qui servaient alors pour les inscriptions consistaient surtout en plaques de bois que l'on éraflait avec un style et sur lesquelles plus tard on écrivait à l'encre à l'aide d'un fin bambou.
il ne reste presque plus de ces manuscrits de bois. La raison essentielle en est le grand autodafé ordonné par l'empereur Qin Shi Huangxi en 213 avant Jésus-Christ pour détruire tous les livres et punir ainsi les lecteurs qui avaient osé critiquer son activité politique. Il n'y eut que peu de livres qui échappèrent à la destruction par le feu, et la plus grande partie des livres sur bois qui furent composés dans la suite a pourri sans doute sous terre. Des livres de soie. Mais l'autodafé lui-même provoqua l'essor d'une grande activité littéraire grâce aux tentatives faites pour réparer le désastre en recherchant et en rééditant ce qui pouvait encore subsister de la littérature classique du temps de Confucius. On ne se contenta plus alors des plaques de bois, mais on passa à l'usage de la soie sur laquelle on écrivit à l'aide du bambou ou d'un pinceau fait de poils de chameau. C'était là une matière qui possédait plusieurs des qualités du papyrus, notamment la flexibilité et l'éclat de la surface, mais dont le prix était supérieur. Les tablettes d'argile assyro-babylonienne. Outre l'Égypte et la Chine, il y a encore un grand centre de civilisation où l'étude de l'histoire du livre nous ramène jusqu'au troisième millénaire avant Jésus-Christ. C'est celui de l'Assyrie et de la Chaldée. Lors des fouilles pratiquées dans les environs de la ville babylonienne de Nippur, entre 1890 et 1900, des archéologues américains tombèrent sur un temple dont plusieurs salles étaient remplies de tablettes d'argile. Et l'on aperçut que l'on se trouvait en présence d'une riche bibliothèque et d'un dépôt d'archives remontant, suivant toute probabilité, à la seconde moitié du troisième millénaire. Vers 1850, les Anglais, Layard et Rassam, avaient déjà découvert les archives et la bibliothèque du roi d'Assyrie, à Ninive. Elles dataient du 7e siècle environ, avant Jésus-Christ, et contenait environ 2000 tablettes. Le livre, entre guillemets, assyro-babylonien. Pendant que l'argile était encore molle et humide, on y gravait les caractères d'écriture à l'aide d'un instrument triangulaire et émoussé de métal, d'ivoire ou de bois. Si l'écriture des Assyriens et des Babyloniens affecte la forme d'un coin, qu'on a appelé écriture cunéiforme, la raison doit en être attribuée à la matière et à l'instrument utilisé pour écrire. Quelques-unes des plus grandes tablettes présentent à la surface de petits trous qui permettaient à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Les dimensions des tablettes diffèrent beaucoup. La plupart n'ont qu'une bonne moitié de notre format in octavo ordinaire. En règle générale, le verso de la tablette, qui pouvait être concave ou convexe, est aussi recouvert d'écriture. Les Babyloniens étaient un peuple qui écrivait beaucoup, et leur pays a donc possédé naturellement de grandes collections de tablettes gravées. En Assyrie, les plus célèbres bibliothèques furent celles des temples d'Assur, de Kalak, d'Arbela et de Ninive. Aux collections de cette dernière ville s'ajoutèrent, peu avant la chute de l'Empire d'Assyrie, la grande bibliothèque et les archives d'Ashurbanipal. Beaucoup de ces textes étaient écrits en langue sumérienne, qui était parlée par les peuples de l'Euphrate avant l'époque assyrienne. Sur la plupart des tablettes est inscrit le nom du roi, et sur plusieurs, il est dit que le roi les a mises en ordre, examinées et rangées dans son palais. Souvent, un texte s'étend sur des séries entières de tablettes, parfois sur des centaines. La dernière d'entre elles indique alors le nombre de tablettes que comporte l'ouvrage entier. Lorsque les Mèdes et les Chaldéens conquirent et incendièrent Ninive en 670 avant Jésus-Christ,
la bibliothèque du roi fut détruite. Heureusement, le feu ne parvint pas à anéantir les tablettes d'argile. Un certain nombre seulement a été assez détérioré pour rendre l'écriture illisible. Les tablettes de Ninive sont conservées maintenant au British Museum de Londres, dont elles constituent un des trésors les plus précieux. Grâce à leurs textes, nous avons pu avoir un excellent aperçu de la civilisation des anciens Assyriens, notamment de leur vie religieuse. Quelles sont les autres matières employées pour l'écriture dans l'Antiquité? L'écorce d'arbres. Nous avons déjà vu qu'il y avait une grande variété dans les matériaux employés pour écrire durant les premiers millénaires des temps historiques, dans les divers pays et aux diverses époques. Et pourtant, nous n'avons pas encore fait mention de celle qui a été peut-être utilisée la première, l'écorce d'arbre. Le mot grec et le mot latin qui désigne le livre, biblos et liber, signifient tous deux écorce. Et si l'on songe que des feuilles de palmier séchées et frottées d'huile ont été utilisées pour les manuscrits durant des siècles et sont encore employées partiellement dans les Indes, on ne s'étonnera pas qu'une matière de même nature, l'écorce, ait été choisie pour le même usage. On pouvait écrire sur l'écorce en la rayant avec une aiguille, comme on le fait pour la feuille de palmier. On utilisait également la toile. Pour les livres, du moins, Tite Live et d'autres classiques latins parlent de rouleaux de toile. Les Grecs appelaient la feuille de papyrus vierge d'écriture « charte », mot qui, en latin, est devenu « charta », d'où dérive le notre mot « carte ». Le rouleau de papyrus était désigné chez les Grecs sous le nom de « Kylandros et, chez les Romains, sous le nom de volumen. Mot qui, de nos jours encore, sert à désigner les parties séparées d'un ouvrage. Un autre mot de signification identique, tomos en grec et tomus en latin, était appliqué primitivement à un rouleau composé d'une série de documents collés ensemble. Les plus anciens papyrus grecs que nous connaissions datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'écriture a encore la raideur des formes de la période primitive, telle que nous la connaissons par les inscriptions. Mais il ne reste que trop peu de rouleaux de cette époque pour que l'on en puisse tirer des conclusions générales. Les liens entre les civilisations grecques et égyptiennes se resserrèrent encore bien davantage lorsque Ptolémée Ier, après la chute de l'empire d'Alexandre, fonda son puissant royaume dans la vallée du Nil et consacra toutes ses forces à donner à sa nouvelle capitale, Alexandrie. Une situation prépondérante, non seulement au point de vue politique et économique, mais aussi sous le rapport de la civilisation. Grande bibliothèque d'Alexandrie, la plus célèbre et la plus grandiose de l'Antiquité, était constituée en réalité par deux collections, la plus grande dans le palais du roi et la plus petite auprès du temple de Sérapis. Le but que l'on se proposait était sans doute de réunir toute la littérature grecque dans une collection des meilleures copies, de la mettre en ordre et de la commenter. Nous ne savons rien de certain sur l'importance de la bibliothèque alexandrine. On cite les chiffres de 490 000 rouleaux environ pour la bibliothèque principale et de 43 000 rouleaux environ pour l'annexe. Si ces chiffres sont exacts, le même ouvrage doit s'y être trouvé bien souvent en plusieurs exemplaires. On devait disposer de grandes sommes d'argent pour l'achat de livres et l'on devait se livrer à un travail soutenu dans la bibliothèque pour copier les manuscrits
en mauvais état et pour élaborer de nouvelles éditions critiques des textes devenus plus ou moins défectueux. Le texte des ouvrages d'une certaine importance était réparti entre plusieurs rouleaux de longueur à peu près égale, en tenant compte de la coupe des chapitres, tandis que les textes courts étaient réunis en un seul rouleau. Indice probable d'une tendance à adopter pour les rouleaux une certaine longueur normale, conformément à la pratique des bibliothécaires. Venons-en maintenant à la présentation du livre grec. Aucun rouleau complet n'est parvenu jusqu'à nous, mais il est probable qu'une longueur de 6 à 7 mètres était généralement usitée. Enroulé, le manuscrit formait un cylindre de 5 à 6 cm, facile à tenir en main. Ce n'est qu'exceptionnellement que les rouleaux dépassaient 10 mètres de long. Pour l'écriture, on utilisait pour les œuvres littéraires exclusivement les grandes lettres. Les petites lettres grecques n'ont fait leur apparition qu'au Moyen-Âge. Et l'on ne laissait pas d'intervalle entre les mots, ce qui, naturellement, n'était pas pour faciliter la lecture. En revanche, il était d'usage de marquer la fin d'un alinéa en soulignant d'un trait, appelé paragraphos, le commencement de la dernière ligne de l'alinéa. Le mot de paragraphe s'est, comme on le sait, maintenu jusqu'à nos jours pour désigner les divisions du texte. L'écriture des manuscrits était une calligraphie de caractères déterminés que le scribe apprenait, mais qui, inévitablement, prenait chez chaque scribe un cachet individuel. Chaque lettre était écrite isolément, tandis que pour la vie de tous les jours, on employait la cursive à trait rapide et les lettres courantes. Les scribes constituaient une classe nombreuse d'une instruction développée, y était rémunéré suivant le nombre de lignes dont la longueur était calculée, probablement d'après une ligne normale. On tenait compte aussi de la beauté de leur écriture. Quand le scribe avait terminé son travail, on le relisait pour le corriger. C'était lui-même qui s'acquittait de cette tâche, ou bien elle était confiée à un correcteur spécial qui corrigeait les fautes du scribe, mais qui pouvait également ajouter en marge diverses observations critiques, qu'on appelait scoli, pour expliquer le texte ou par des signes spéciaux. Des astérix, par exemple, appelaient l'attention sur des particularités de style. Le titre du livre était mentionné, s'il y avait lieu, généralement à la fin du texte, probablement parce qu'il était mieux ainsi protégé, se trouvant au cœur même du rouleau quand celui-ci était fermé. Au surplus, l'usage du titre ne s'est répandu que relativement tard. Les papyrus grecs les plus anciens ne portaient point de titre, mais on les a différenciés en les désignant par le nom de l'auteur et le premier mot du texte. Si l'on voulait distinguer les manuscrits les uns des autres, quand ils étaient roulés et placés les uns à côté des autres ou dans leur récipient, on se trouvait embarrassé de ne pas pouvoir avoir sous les yeux un titre bien visible. Et peu à peu, l'on songea à placer sur le rebord supérieur du rouleau une sorte d'étiquette que les Romains appelaient titulus ou index et les Grecs syllabos. L'étui, vase de bois ou de pierre dans lequel les rouleaux étaient conservés, était appelé par les Grecs bibliothèque, mot qui ne tarda pas à prendre une acception plus large et désigna toute une collection de livres. En latin, le récipient s'appelait capsa ou scrinium, autrement dit l'écrin. Les illustrations ne semblent pas avoir été très rares dans les rouleaux de papyrus, bien qu'il n'en ait été conservé qu'un petit nombre, traitant en général de mathématiques ou de sujets analogues. On a certainement, dans bien des cas, reproduit
reproduit le portrait de l'auteur et on a également émis l'opinion que les reliefs de la colonne de Trajan et de la colonne de Marc Aurèle étaient des reproductions en grand format d'illustrations de papyrus. Revenons à la bibliothèque d'Alexandrie. Il est évident que ce grand centre littéraire devait également prendre de l'importance pour le développement du commerce des livres. À Athènes, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il est fait allusion à des magasins de livres. Parmi les livres acquis par la bibliothèque d'Alexandrie, quelques-uns provenaient, disait-on, de la bibliothèque d'Aristote. Il avait légué cette bibliothèque à l'un de ses disciples, mais elle fut ensuite dispersée et anéantie en partie. On ne sait pas grand-chose des autres bibliothèques privées de la Grèce, et celle d'Aristote a été certainement une des plus estimées. Lorsque César, en 47 avant Jésus-Christ, prit Alexandrie, une partie de la section la plus importante de la bibliothèque fut détruite par le feu. Mais elle reçut plus tard une riche compensation. S'il est vrai qu'Antoine ait donné à la reine Cléopâtre 200 000 rouleaux provenant de la bibliothèque de Pergame. Mais la bibliothèque d'Alexandrie n'acquit jamais son importance antérieure. Elle fut probablement anéantie en 391 après Jésus-Christ, quand les premiers chrétiens, sous l'archevêque Théophile d'Antioche, détruisirent le temple de Sérapis. Origines du parchemin. Déjà dans les temps les plus reculés, on a employé en divers pays le cuir pour écrire. Chez les Égyptiens, les Juifs, les Assyriens et les Perses, on utilisait ainsi les peaux de bêtes. Et cet usage n'était pas non plus inconnu des Grecs. Ils les appelaient diphtérae, dénomination sous laquelle ils désignèrent aussi plus tard d'autres matières qui serviraient à écrire. Mais ce n'est qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ que l'on commence à faire subir au cuir un traitement destiné à le rendre plus apte à recevoir l'écriture. On attribue l'honneur d'avoir inauguré cette technique à Pergame, où la fabrication fut, en tout cas, faite en grand, et qui a sans doute donné son nom au parchemin, Pergamineum. La préparation et les avantages du parchemin. En général, on utilisait des peaux de mouton, de veau ou de chèvre. Et la peau, bien raclée, était mise dans de l'eau de chaux pour être débarrassée des matières grasses, puis séchée et frottée sans autre tannage. Avec de la craie en poudre fine et enfin polie à la pierre ponce ou par un autre moyen analogue. La matière ainsi obtenue était merveilleusement apte à recevoir l'écriture. Présentait une surface polie et suffisamment solide et pouvait servir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. En outre, elle se conservait mieux que le papyrus sans qu'elle fût cependant immunisée contre toutes les influences pernicieuses sans exception. Ce qui a surtout contribué à sa diffusion, c'est que, contrairement au papyrus, elle supportait facilement le grattoir. Aussi trouvons-nous parmi les manuscrits sur parchemin, surtout pendant les périodes du Moyen-Âge où la matière était chère. De nombreux palimpsestes, c'est-à-dire des manuscrits où l'écriture primitive avait été effacée au grattoir, pour y inscrire un nouveau texte. Palimpseste signifie « gratter de nouveau ». De plus, la fabrication du parchemin n'était pas, comme celle du papyrus, liée à un pays déterminé. Et par suite, il est probable que, du moins au début, il n'était pas aussi coûteux que le papyrus l'était peu à peu devenu. Toutefois, du moins au commencement, on ne l'employa qu'à un usage restreint pour écrire des lettres, des documents, des notes brèves, etc. C'est seulement à la longue que le parchemin, nommé membrana par les
romain, faisant un nouveau pas en avant, fut utilisé pour la confection des livres. Toutefois, son usage ne se généralisa que lentement. Il dut lutter dans ce domaine durant 3 siècles, avant de triompher complètement du papyrus. Le parchemin se laisse rouler comme le papyrus, bien que sa souplesse soit moindre, et il est indubitable que, dans les premiers temps, les livres de parchemin ont eu également la forme de rouleaux, tout à fait comme les livres de papyrus. Naturellement, la longueur du rouleau de parchemin était déterminée par celle de la peau de l'animal. Mais on pouvait, s'il était nécessaire, coudre ensemble plusieurs morceaux de parchemin et confectionner ainsi des rouleaux plus longs. On employait aussi le parchemin pour recouvrir les rouleaux de papyrus, et ce fut là le tout premier début de la reliure. Apparition du livre non roulé. Si habitués que fussent les anciens à la forme du rouleau, il est indubitable cependant que celle-ci avait des défauts que le maniement quotidien des livres devait rendre manifeste. Ce qui constituait entre autres un défaut essentiel, c'était la nécessité de rouler en sens contraire le livre déjà lu quand on voulait en faire une nouvelle lecture. Et s'il s'agissait d'un long rouleau, l'opération ne laissait pas d'être très incommode, même quand on utilisait pour l'enroulement un bâton appelé umbilicus, comme on en avait l'habitude. Cela entraînait en tout cas une usure sensible pour les rouleaux fréquemment parcourus. Toutefois, aussi longtemps que le papyrus fut le plus employé, la forme du rouleau resta la plus normale. Avec le parchemin, il en fut autrement. Du rouleau au codex. De toute antiquité, la grecque avait utilisé des petites tablettes de bois, recouvertes ou non de cire, sur lesquels on pouvait tracer de brèves annotations à l'aide d'un style métallique, le stylus, ou qui servait aux écoliers pour leurs exercices d'écriture. Souvent, on assemblait deux ou plusieurs de ces tablettes de manière à former de petits cahiers. On les appelait diptyka quand il y avait deux tablettes. Et ces carnets étaient utilisés en grand nombre par les commerçants et les scribes pour des notes provisoires. Lorsque l'usage du parchemin pour les livres se fut généralisé, l'idée se présenta naturellement à l'esprit de donner au parchemin la forme adoptée pour les tablettes et ce progrès fut réalisé dans les premiers temps de l'Empire romain. Cette forme de livre reçut le nom de codex et après s'être imposée, elle resta sans changement jusqu'à nos jours. Quelques feuilles de codice ont été conservées à la fin du 1er et du début du 2e siècle. Il est certain qu'à cette époque, les manuscrits de parchemin ont été en usage et qu'ils étaient, comme livres, moins estimés que les rouleaux de papyrus. On les employait pour de petites éditions à bon marché, car, en raison de la faculté d'écrire des deux côtés de la feuille de parchemin, on pouvait mettre dans un manuscrit de volume relativement restreint un texte qui, autrement, eût exigé un long rouleau ou même plusieurs. Au cours de ces dernières années, on a trouvé en Égypte, à diverses reprises, des manuscrits datant des 2e, 3e et 4e siècles. Ce qui témoigne de la rapidité avec laquelle la forme de codex a pénétré dans la patrie même du rouleau du papyrus. Des essais furent tentés d'adopter également pour les livres de papyrus cette forme de codex. Et l'on a trouvé un nombre appréciable de manuscrits de papyrus écrits du 3e au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais en réalité, la forme nouvelle ne s'adaptait pas bien au vieux papyrus. Et le rouleau continua à coexister avec le codex jusqu'au moment où la matière et la forme disparurent à la fois. Dans les trouvailles datant du 4e siècle, le manuscrit de parchemin est déjà prépondérant. Et à partir du 5e siècle, il survit presque seul. On a expliqué ce fait
en disant que les premiers chrétiens n'étaient pas assez fortunés pour se procurer de papyrus trop précieux et devaient se contenter du livre de parchemin qui était moins coûteux. Le parchemin, sous sa forme primitive de rouleau, a joui jusqu'à nos jours d'une considération toute spéciale. Témoin, entre autres, l'usage de donner la forme du rouleau aux documents que l'on veut revêtir d'un caractère particulièrement solennel, tels que les adresses envoyées à l'occasion d'un jubilé, les diplômes d'honneur, etc. Les expressions telles que « rôle »,« rôlé », etc. rappellent l'époque où ces pièces se présentaient sous la forme de rouleaux. Le mot « contrôle » signifie en réalité « contre »,« rôle », c'est-à-dire un rôle que, pour plus de sécurité, le fisc établissait concurremment avec le rôle des contributions véritables. Venons-en maintenant à la présentation du codex. La plupart des codices se composent de plusieurs cahiers, renfermant chacun un certain nombre de feuilles. En général, il y a 2, 3 ou 4 feuilles par cahier. Il existe pourtant plusieurs codices anciens où toutes les feuilles sont réunies dans un seul cahier. Arrangement qui naturellement devait donner au livre un aspect lourd et obligé de laisser aux feuilles de l'intérieur moins de largeur qu'à celles de l'extérieur. Dans les 4 premiers siècles, les formats sont très petits. En général, la largeur est à la hauteur comme 2 est à 3. Il y eut évidemment à cette époque, comme de nos jours, certaines dimensions standards, d'après lesquelles on obtenait des divers formats en pliant la feuille une ou deux fois. Comme ce fut le cas pour les rouleaux de papyrus des anciens, et comme ce l'est encore pour les livres de nos jours, on a tendance, pour les manuscrits plus riches, à laisser une marge assez grande, tandis que, pour les manuscrits plus communs, les pages sont recouvertes d'écriture presque jusqu'au bord. Pourtant, on laisse presque toujours sur le bord extérieur de la feuille plus de place que sur les bords supérieurs et inférieurs, probablement pour obvier à l'usure possible. Le titre et la pagination. Dans son aménagement, le codex ressemble essentiellement au rouleau. Même la caractéristique du rejet du titre à la fin du texte se transmet, dans les premiers temps, du rouleau au codex, bien que cette anomalie n'ait pas de justification pratique. Ce n'est qu'au commencement du 5e siècle que l'usage se généralise d'inscrire le titre au début de l'ouvrage. Cependant, la pagination marque une innovation apportée par le codex. Tandis qu'elle était inutile dans le rouleau, où les colonnes gardaient nécessairement leur place respective, elle devient d'une importance réelle pour le codex. Il est vrai qu'au début, on se contentait de paginer seulement quelques feuilles, ou du moins seulement le recto, de sorte qu'on ne peut pas parler en réalité d'une pagination, mais tout au plus d'une foliation. Pagina signifie page, et folium, feuille. Si l'on ne connaît, ainsi que nous l'avons déjà dit, qu'un petit nombre de rouleaux illustrés, nous possédons une quantité appréciable de codices anciens, plus ou moins ornés d'images. Il s'agit ici aussi bien de véritables illustrations représentant des scènes racontées par le texte, que d'une ornementation décorative. Les images ont de la couleur, mais presque pas d'ombre. Les personnages et les figures rappellent ceux des monnaies et des monuments. Dans les manuscrits grecs et coptes du 4e siècle, on trouve déjà la lettre initiale des divers alinéas agrandie et exécutée en couleur, de préférence en rouge et agrémentée de crochets. C'est l'introduction de l'initiale. Initium signifie commencement. L'écriture et le matériel. L'écriture employée par les scribes dans les codices les plus anciens est, comme dans les rouleaux,
une calligraphie spéciale dont la forme se fixe peu à peu davantage. Une série de manuscrits grecs et coptes des 4e et 5e siècles sont, malgré la variété de leur contenu, écrits d'une calligraphie presque identique, aux formes larges et pleines, indice certain d'une tendance croissante à la régularisation de l'écriture. Pour écrire sur le parchemin, on utilisait la partie creuse d'un tuyau de plume emprunté à de grands oiseaux, tels que l'aigle, le corbeau, l'oie. C'est de cette plume des anciens que dérivent les plumes d'oie des temps modernes et les plumes métalliques de nos jours. Au sujet du mode de reliure des plus anciens codices, nous ne savons pour ainsi dire rien. On se contentait sans doute généralement d'un enrobement de parchemin. Cependant, par les trouvailles faites dans les tombeaux égyptiens, on connaît des spécimens de reliure coptes en cuir du 6e siècle ayant gardé sur la couverture les vestiges d'une belle décoration. Le livre chez les Romains. Quand les Romains eurent établi leur empire sur le monde et se furent assimilés les fruits de la civilisation grecque, ils continuèrent également dans le domaine du livre les traditions grecques. Bientôt se développe aussi à Rome un commerce de livres actifs. De plus, on commença aussi à s'occuper, dans une certaine mesure, d'éditions. Les auteurs ne pouvaient plus maintenir directement le contact nécessaire avec le public, qui était devenu trop nombreux et s'était dispersé. L'auteur d'un livre restait libre d'entrer en relation avec d'autres éditeurs pour leur faire reproduire la même œuvre. Au surplus, chacun était libre d'acheter un exemplaire et de le faire recopier. Aucune législation ne protégeait la propriété littéraire et l'auteur ne cherchait pas à se procurer un gain pécuniaire par ses travaux littéraires. Ce n'est qu'en dédiant son livre à un riche personnage protecteur qu'il pouvait espérer une reconnaissance en espèces sonnantes. La récitation en public. C'était une coutume universellement répandue que l'auteur réunit autour de lui un cercle d'amis et leur lut des passages d'une œuvre nouvelle pour exciter l'intérêt en sa faveur. À en juger par ce que nous disent Pline le Jeune, Horace et Martial. Cet usage dégénéra cependant peu à peu et devint un vrai fléau, surtout parce que les auteurs médiocres montraient le plus d'ardeur à saisir toutes les occasions de lire leurs propres œuvres en public. Il est probable que les éditeurs, eux aussi, lançaient des invitations pour une lecture publique quand une nouvelle œuvre devait paraître, genre de réclame qui pourrait peut-être avoir du succès aujourd'hui encore. Les bibliothèques à Rome. Le nombre de collectionneurs privés fut à Rome en progression continue dans les dernières années de la République et sous l'Empire. Et peu à peu, la bibliophilie devint affaire de mode. Plus nous avançons ensuite dans la période impériale, plus nous voyons s'accroître, dans ce domaine comme dans tous les autres, le désir de s'entourer de luxe. Un Romain de qualité se devait d'avoir chez lui une bibliothèque considérable pour aider à la réputation de son possesseur. On rapporte qu'il existait certaines collections de plusieurs milliers de rouleaux, généralement partagées en deux sections, la grecque et la latine. On peut se faire une idée assez précise de ces riches bibliothèques romaines. Dans une petite salle carrelée de marbre vert, les rouleaux étaient disposés sur des rayons, dans des niches ou des armoires ouvertes tout le long des murs. Ils étaient placés directement sur les rayons, sous une couverture pourpre ou bien, comme nous l'avons déjà dit, dans des récipients richement décorés. Tout autour, dans l'appartement,
se dressaient des bustes et des portraits en relief d'écrivains célèbres, suivant une coutume introduite selon Pline l'Ancien par Asinius Pollion lorsqu'il organisa à Rome la première bibliothèque publique. Voici une image de la façon dont ils étaient rangés. L'invention du papier en Chine. Tandis que dans les bibliothèques de l'Empire romain, le rouleau de papyrus et le codex de parchemin prospéraient côte à côte, on faisait en Chine une découverte qui devait avoir plus tard une importance décisive pour les livres en Occident. Nous avons déjà dit plus haut qu'après le grand autodafé de 213 avant Jésus-Christ, les Chinois avaient commencé à utiliser la soie pour les livres, mais naturellement, c'était là une matière coûteuse. C'est pourquoi on se mit à fabriquer une matière toute nouvelle avec des chiffons de soie, que l'on détrempait après les avoir divisés en petits morceaux. On les réduisait en une bouillie fine et l'on obtenait après séchage un genre de papier fin. Mais ce procédé était également trop coûteux pour prendre beaucoup d'extension et, en 105 après Jésus-Christ, Tsai Lun inventa le papier en employant, comme matière première au lieu de la soie, des substances bien moins chères, écorces de plantes, déchets de coton, filets de pêche usagés, etc. Sa découverte obtint bientôt un succès général. Et au cours des siècles suivants, on écrivit probablement un grand nombre de manuscrits sur papier. À la vérité, il n'en reste pour ainsi dire aucun datant de ces premiers siècles. Ce n'est que longtemps après son invention en Chine que le papier pénétra en Europe. Avant que cet événement se produisît, l'Europe avait subi de grands bouleversements politiques, sociaux et économiques, qui devait également jouer un rôle important dans l'histoire du livre. Ainsi s'achève cette lecture. Je vous retrouve bientôt pour la suite de l'histoire du livre. Dans le prochain épisode, nous aborderons la période du Moyen Âge. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à l'adresse carolinelegalraconte.asmr.com. Pensez à vous abonner et à activer la petite